وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, nous allons commencer, inshallah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette série de cours, avant tout en présentant l'écrivain de cette épître. L'épître que nous allons étudier, c'est les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. C'est un petit épître que le cheikh Abdelaziz ibn Baz Rahimahullah a écrit. Il a voulu résumer dans cette épître-là les choses de base et les leçons les plus importantes que tout musulman doit connaître. Que ce soit dans sa foi, dans sa salat, les piliers de la prière, les obligations, les ablutions, que ce soit la croyance, les piliers de la foi, les piliers de l'islam, ou quelques comportements de base. Le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, c'est un savant contemporain qui est né en l'an 1330 de l'Égypte. On est en quelle année là? On est entré en quelle année de l'Égypte? 1434. Donc, il y a plus de 100 ans. Il y a 104 ans. Il est né il y a plus de 104 ans, en l'an 1330 de l'Égypte à Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Jusqu'à l'âge de 16 ans, c'était un jeune homme saoudien normal, un musulman, mais qui, alhamdoulilah, il avait appris le Coran avant qu'il soit pubère. En entier, la langue arabe, quelques bases de la religion. Et, subhanallah, il travaillait avec sa famille, avec ses frères, il vendait des chameaux. À l'âge de 16 ans, il a eu une maladie grave, des yeux, il a commencé à avoir une maladie de la vue, qui s'est aggravée de plus en plus jusqu'à qu'il a perdu complètement la vue à l'âge de 20 ans. Quand il a perdu la vue, et même un petit peu avant cela, il y a un ami de la famille qui a proposé à sa mère de ne pas le laisser, ou à sa famille, de ne pas le laisser vendre des chameaux. De toute façon, dès qu'il a commencé plutôt à avoir la maladie de la vue, qu'il ne pourrait pas travailler dans ce travail, et que c'était un enfant intelligent. Viens, on va l'emmener chez le mufti Mohammed ibn Ibrahim,
Comme ça, il va apprendre la science auprès de lui. Donc le mufti à l'époque, c'est Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Quand on dit al-Sheikh, c'est-à-dire ils sont descendants du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ceux qui veulent savoir qui est le Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on a fait un dars complet sur ça, vous le trouvez sur notre site internet, Inch'Allah. Institutsunna.com. Vous avez un cours complet sur le Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc tous les chouyours qu'on entend aujourd'hui, qu'on surnomme Sheikh al-Sheikh, Abdul Aziz al-Sheikh, Salih al-Sheikh, Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, quand ils disent al-Sheikh, c'est-à-dire ils font tous partie de la famille du Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ils ont dit on va l'emmener chez lui. Au moment où ils ont dit qu'ils allaient l'emmener chez lui, sa mère a eu du souci. Elle s'est dit qui va prendre mon fils par la main pour l'emmener jusqu'à la mosquée tous les jours pour prendre des cours? Qui va l'accompagner? Et subhanallah, après de quelques années, Allah Ta'ala a tellement élevé ce cheikh que les gens ils se battaient pour savoir qui va l'accompagner. Ils se disputaient pour savoir qui va marcher avec lui de chez lui à la mosquée. Qui aura cet honneur-là? Parce qu'Allah Ta'ala l'a élevé avec la science de l'islam. Le cheikh Abdelaziz Mbaz donc, a pris plus de 10 ans chez le cheikh Mohammed ibn Ibrahim et d'autres chouyours la science religieuse. Quand il avait à peine 20 ans, il a été désigné comme juge. Donc à 20 ans, c'est très rare d'être juge à cet âge-là. Et après cela, il a passé son temps dans la da'wa, dans la prédication et l'enseignement et beaucoup d'œuvres de bien dont on va parler de quelques passages de sa vie. Cheikh Abdelaziz Ibn Baz donc a appris de chez des éminents savants. Et d'éminents savants ont été ses élèves. Donc lui, il a profité de Cheikh Mohamed Amin Shankiti, Cheikh aussi Mohamed Ibn Ibrahim, et d'autres chouyours connus à l'époque en Arabie, que ce soit dans le hadith, dans la science de l'héritage, dans la science de la langue arabe, dans toutes les sciences. D'ailleurs, Masha'Allah, il avait une science vaste dans toutes les sciences religieuses, ou toutes les sciences qui pouvaient toucher à la religion de près ou de loin. Parmi ses élèves, il y a le Cheikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin, qui est connu, et d'autres nombreux élèves qui ont profité de lui, des dizaines et des centaines d'étudiants dans la science, et d'élèves qu'il a eus qui sont après aussi répartis dans le monde. Parmi ses élèves, il y a le Cheikh Wasiullah Abbas aussi, le savant du hadith indien qui est venu, qui est passé en France, qui est venu aussi dans cette mosquée. Et d'autres grands savants, éminents savants, vous pouvez retrouver tout ça. Aujourd'hui, en fait, la manière dont je vais vous présenter Cheikh Ibn Baz, ce sera plus vous raconter quelques passages de sa vie pour vous montrer un peu comment il était dans les différents domaines de sa vie, que ce soit dans son comportement, dans sa générosité, dans sa science. Et alhamdoulilah, toutes les histoires que je vais vous rapporter sont des histoires véridiques, vérifiées par qui sont racontées par ses étudiants, par ses proches ou par d'éminents savants. Cheikh Ibn Baz, une de ses qualités avec laquelle il était le plus reconnu, c'est que c'est quelqu'un qui avait un souci vraiment immense pour le bien de la communauté. Il avait des connexions, des connaissances, des gens avec qui il était en contact, que ce soit par téléphone, par écrit, par visite, dans le monde entier, dans tous les continents. Il n'y a pas un endroit où les gens allaient, où il y a une mosquée, ou un étudiant, ou un savant qui a pu passer un jour ou un autre en Arabie Saoudite sans qu'il ait une relation de près ou de loin avec Cheikh Ibn Baz. Rahimallah. D'ailleurs, parmi les choses qui se sont passées à son époque, c'est qu'il avait un étudiant venu d'Éthiopie, qui s'appelait Kamal. Son père était un savant d'Éthiopie, Cheikh Ibn Baz le connaissait. Il a fait venir son fils en Arabie pour étudier la science religieuse. Tout ceci, bien sûr, c'était
de son argent. Ou bien de la, c'est Cheikh Ibn Baz qui payait, qui donnait mensuellement de l'argent à cet étudiant, une bourse. Cet étudiant, après avoir fini ses études, est venu voir Cheikh Ibn Baz, il l'a fait appeler, il lui a demandé, Kamel, tu ne veux pas te marier? Il a dit si. Il a dit, combien de femmes tu veux te marier? Il a dit deux. Il a dit, tu veux te marier ici ou au pays? Il a dit au pays. Il a dit, combien ça coûte le mariage chez vous? Il a dit, ça coûte 1000 riyals. Donc, Cheikh Ibn Baz, il lui a donné ses 2000 riyals. Il a été se marier avec la première, il l'a fait venir. Cheikh Ibn Baz, il a fait les dépenses, les papiers pour qu'elle puisse venir. Après, il est parti, il s'est marié avec la deuxième, il l'a fait venir. Après ça, il a eu, mashallah, 7 enfants. Chaque mois, il a un salaire qui tombe de Cheikh Ibn Baz. Chaque mois. Le mois où Cheikh Ibn Baz est mort, oui, on n'a pas dit tout à l'heure. Cheikh Ibn Baz, il est mort dans l'an 1420 de l'Égypte. Certains étudiants dans la science disent 1420, c'est l'année de la tristesse. Parce que c'est l'année où Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Al-Albani sont morts. Donc c'est une année où on a perdu 3 grands savants de cette époque, en une année. D'ailleurs, c'est un signe de la fin des temps, la perte des savants. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que la fin des temps n'arrivera pas, que la science, elle va être enlevée de cette terre. Elle ne va pas être enlevée de la poitrine des gens, mais par la mort des savants de l'islam. D'ailleurs, Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, quand il cite ce hadith, il pleure. Car effectivement, il dit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent sans science, mais où sont les savants? Donc, revenons à l'histoire de Kamel, l'Éthiopien. Quand l'année où il recevait mensuellement un salaire de Cheikh Ibn Baz, l'année où Cheikh Ibn Baz est mort, le mois même où il est mort, il n'a rien reçu. Alors, il a été voir son remplaçant. Qui était son remplaçant, le moufti actuel, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh. Il a dit, voilà, moi je recevais un salaire de Cheikh Ibn Baz tous les mois, j'ai des enfants, on vivait sur ça, on est des étudiants dans la science, qu'est-ce qu'on peut faire? Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, il a dit, écoute, moi, je viens d'ici de 7h à 14h. Il ne faut pas me demander de faire comme Cheikh Ibn Baz, je ne peux pas. Cheikh Ibn Baz, ce que lui faisait, moi, je ne peux pas le faire. Moi, ce que je peux faire pour toi, tu viens dans mes heures de travail, je vais faire. Mais je ne me demande pas d'être comme Cheikh Ibn Baz, c'est impossible. Il est rentré chez lui. Il a reçu une convocation un peu plus tard. Tous les gens qui recevaient des dons ou des aides, de près ou de loin de Cheikh Ibn Baz, vous êtes convoqués, vous venez au ministère prendre un numéro. Et on va vous recevoir un par un pour voir ce que vous receviez, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Il a dit, je suis arrivé, j'étais le numéro 170 000. Et derrière moi, il y avait encore des gens. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dépensait sans compter. Il a été dit qu'il n'a jamais sorti la zakat de sa vie, tellement il ne gardait pas l'argent. Jamais une année, il a eu assez d'argent pour sortir la zakat. Il a reçu un jour du roi Fahd 10 millions de riyals. Une semaine, deux semaines plus tard, il était dépensé. Pour les gens de bien. Ils avaient des comptes. Les commerçants, ils avaient confiance en lui plus qu'en eux-mêmes. Ils avaient fait un compte, des comptes spéciaux, où chaque mois, ils versaient de l'argent, des millions de riyals. Et c'est Cheikh Ibn Baz qui les distribuait dans les quatre coins du monde. Une femme en Afrique, elle est entrée en islam, dans un village où ils n'étaient pas musulmans. Elle s'est renseignée, elle a été au ministère, elle a été au consulat saoudien, elle a envoyé une lettre à l'Arabie Saoudite pour demander de l'aide, et elle a entendu parler de Cheikh Ibn Baz. Elle a dit, elle a envoyé une lettre comme ça, Cheikh Ibn Baz. Elle s'est dit, mais jamais de ma vie je vais recevoir une lettre, une africaine au milieu de la, comme ça, de millions de gens. Un mois plus tard, elle a reçu une réponse, et elle a reçu un salaire mensuel de Cheikh Ibn Baz. Un autre homme, ceux qui racontent ça, c'est des gens qui travaillent, vous savez, dans les boîtes
où ils font la fatwa quand vous allez au Hajj. Les petites cabines, vous allez les voir pour demander la fatwa. Il y a des gens qui parlent plusieurs langues, il y a des gens qui parlent ourdou, il y a des gens qui parlent perse, pour pouvoir répondre aux gens. Alors ils étaient dans cette cabine, ils voient un homme venir qui ressemble à un chiite. Il a une imama comme un chiite, habillé comme un chiite. Il arrive proche de lui, il leur demande, vous pouvez pas me donner des livres de Cheikh Islam ibn Taymiyyah et de Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il a dit, mais toi t'es un chiite, qu'est-ce que tu veux de ces livres-là? Il a dit, non, moi je suis pas un chiite. Moi, je suis le mufti du Khorasan, je suis un sunnite, je suis un shafi'i. Mais c'est l'État qui nous oblige à mettre ces habits-là. Il a dit, d'accord, alors je t'invite à manger demain. Le lendemain, il l'a invité à manger. Il est venu avec un de ses amis. Il a dit, écoute, l'ami avec lequel je suis venu, c'est quelqu'un, c'est un soufi. Il croit dans Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud, ça veut dire que toute chose, il n'y a pas de créateur et de créature. Pour lui, tout est un. C'est la philosophie. Alors je l'ai emmené avec moi, comme ça vous pouvez lui parler, essayer de le convaincre aussi que c'est une croyance, ce n'est pas une croyance musulmane. Il lui a dit, mais c'est quoi ton histoire, toi? Comment toi, au milieu de l'Iran, tu as connu Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il a dit, mon histoire, elle date de plus de 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais le mufti du Khorasan, des gens de la Sunna là-bas. Nous, on est sur le madhhab de l'imam Shafi'i. On a divergé sur un point, sur le divorce. Quand on a discuté, il y a des gens qui étaient là-bas, qui revenaient du pèlerinage, ils nous ont dit, il y a une personne en Terre Sainte qui s'appelle Abdelaziz ibn Baz, c'est un grand savant, il a la réponse pour vous. Alors nous, on a profité du prochain pèlerinage, on s'est dit, on va aller le visiter, on va aller lui poser notre question. Quand ils sont partis pour le prochain pèlerinage, arrivé à Médine, à l'époque, c'était à l'époque où il y avait l'université islamique de Médine. Elle a été, quand elle avait été fondée. D'ailleurs, celui qui l'a fondée, c'est Cheikh Abdelaziz ibn Baz aussi, dont il était le premier directeur de l'université de Médine. Et c'est à son époque qu'il a fait venir Cheikh Al-Albani dans cette université pendant 4 ans, etc., etc. Donc, il n'était pas là, il était parti pour le Hajj. Ils sont revenus après le pèlerinage. Ils ont dit, on a trouvé de la facilité, on est entré le voir sans difficulté. On lui a expliqué notre cas, on lui a dit pourquoi on était venu le voir. Il nous a écoutés, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala et il a béni le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a dit des paroles que j'avais jamais entendues dans ma vie auparavant. Il m'a appelé à suivre le Coran et la Sunna. Que je ne demande pas la fatwa selon l'imam Shafi'i ou l'imam Hanbali ou même tel, mais que je demande la fatwa selon le Coran et la Sunna, et l'obligation de se plier aux ordres du Coran et de la Sunna. Il a dit, j'avais jamais entendu des paroles telles que celles-ci avant ce jour-là. Et depuis ce jour-là, il a ordonné qu'on nous donne une grande collection de livres, et à chaque fois, il gardait des relations avec nous. Il nous envoyait des lettres, il nous téléphonait, il gardait des liens avec nous. En Iran. Une autre fois, la Somalie, il y a plusieurs années, elle était dirigée par certains, on va dire, de dictature et un état dur, sévère. Et ils avaient, il y avait une politique qui était très dure envers les musulmans. Ils ont eu la nouvelle... Certains étudiants dans la science qui étaient en Arabie, ils ont eu la nouvelle que 6 étudiants dans la science, des gens de la Sunna, ils allaient être exécutés, peine de mort, en Somalie. Ils sont allés réveiller Cheikh Falah Ismail Munkadar, c'est un cheikh du Koweït. C'était à l'époque quand ils étaient encore en Arabie en train d'étudier, de rester avec les ulama. Cheikh Falah et d'autres, ils sont allés voir Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, en pleine nuit. Ils ont frappé chez lui, ils sont entrés chez lui. Ils lui ont dit, voilà, qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on trouve une solution pour sauver ses frères. C'est des frères salafistes, des frères dans la Sunna. Il faut faire quelque chose pour eux.
Ils ont dit, ya wallahi, moi je vois pas aucune solution à part appeler Cheikh Ibn Baz, on va voir avec lui. En pleine nuit, ils appellent Cheikh Ibn Baz, ils l'ont réveillé, il s'est réveillé, il a écouté. Et quatre parmi eux, c'était des gens qui avaient étudié en Arabie et qui avaient un salaire qui dépendait du ministère des Affaires religieuses d'Arabie. Donc ils étaient sous l'autorité de qui? Sous l'autorité de Cheikh Ibn Baz. Et ça, subhanallah, il le faisait beaucoup. Beaucoup d'étudiants du monde entier, que ce soit même des tout petits pays, d'Adjikistan ou des pays dont on ne connaît même pas les noms. Ils viennent, ils étudient là-bas. Ils retournent dans leur pays, ils ont un salaire chaque mois qui vient d'Arabie Saoudite pour eux, pour juste faire da'wah dans leur pays. Juste pour faire la prédication dans leur pays. Et ça, dans le monde entier, vous en trouvez. Alors, Cheikh Ibn Baz, il a écrit au roi. Il lui a dit ceci, ce sont des gens qui sont sous ma responsabilité. Et c'est des gens qui travaillent pour mon ministère, pour moi. Il faut que tu fasses quelque chose pour eux. Il l'a appelé. Le roi directement, il a appelé en Somalie et il y a eu, ils ont été expiés de la peine capitale. Et ils ont été sauvés. Il n'y a pas une chose où il pouvait être donner un conseil, ou aider les musulmans, ou sauver quelqu'un dans la difficulté, même les gens qui lui voulaient du mal, Cheikh Ibn Baz, il voulait du bien pour eux. Il a été raconté qu'une fois, une personne d'Asie, on va pas dire les pays, alors que dans toutes les histoires, elle raconte de tel pays, mais là comme c'est... Une personne d'Asie, elle est entrée chez lui, elle lui a volé de l'argent. Ils l'ont attrapé. Il l'a amené à Cheikh Ibn Baz. Il a commencé à dire ma mère elle est malade, etc. etc. Cheikh Ibn Baz, il lui a donné de l'argent, il lui a dit pars. Il a dit je suis sûr, t'as pas volé juste que si t'es dans le besoin, sinon t'aurais pas volé. Enfin. Il est parti, il est revenu 6 mois après, il lui a dit Alhamdulillah, cet argent il m'a aidé, il m'a servi pour aider, pour soigner ma mère, etc. Maintenant, Ya Cheikh, moi je veux être à ton service toute ma vie. Tu m'as rendu un service énorme, moi je veux être à ton service. Je veux rester auprès de toi. Une autre fois, quelqu'un d'Afrique, il est venu lui demander un don. Cheikh Ibn Baz, il lui a fait un chèque de 1000 euros, 1000 riyals. Lui, il est parti, il a rajouté un zéro, 10 000 riyals. Arrivé pour prendre le chèque, ils l'ont attrapé. Lui, il n'a pas fait attention que c'était écrit même en lettres. Il a vu juste les chiffres. Alors ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. Cheikh Ibn Baz, il a su ça, il a demandé de le faire sortir de prison. Il l'a emmené, il a dit s'il a rajouté un zéro, c'est qu'il a besoin. Donnez-lui 10 000 et sortez-le de prison. Et ils l'ont sorti et il lui a donné. Ils lui ont dit mais non, lui c'est un tricheur, c'est un voleur, il y a Cheikh. Non, il lui cherchait toujours des excuses, il a dit s'il a fait ça, c'est qu'il a besoin. Donnez-lui. Une fois, il y avait des étudiants dans la science qui ont voyagé pour la France, pour ici. Ils ont trouvé une femme dans le train. Elle leur dit, vous connaissez Cheikh Ibn Baz? Elle a dit, c'est toi, on me demande, est-ce que tu connais? Bien sûr, nous, on connaît tous Cheikh Ibn Baz. Elle a dit, moi, ici, je lave les morts. Je lave les femmes mortes. Ça fait 20 ans que je reçois un salaire de Cheikh Ibn Baz. Une fois, ils ont demandé au Cheikh, il y a un Cheikh. C'est quoi ton secret? Tout le monde t'aime bien. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, ils t'aiment bien. Il a dit, Wallah, moi, je n'ai rien de spécial. Mais je sais que depuis que j'ai la raison, j'ai fait une promesse à Allah. Cette promesse-là, c'est que si je vois la vérité, je la suis. J'ai fait une promesse à Allah que je suivrai toujours la vérité. Peut-être que c'est à cause de ça qu'Allah, il a fait que les gens m'aiment bien. Des gens, Cheikh Ibn Baz, comme on a dit, il était très généreux. Il est dit qu'il n'a pas sorti la zakat. Une fois, quelqu'un, il a été le voir, il a dit, Cheikh, j'ai une question indiscrète à te poser, mais je ne peux pas te le dire devant tout le monde. Il l'a invité chez lui. Il a dit à Cheikh, est-ce que c'est vrai, on m'a dit, ça fait 24 ans que tu n'es pas parti en vacances? Il lui a dit, ça fait 56 ans, je ne suis pas parti en vacances.
même avant sa mort, quand il était malade, il était encore dans le service des musulmans. Ils lui ont dit, mais t'as besoin de te reposer, Hachir, t'as besoin. Il a dit, non, l'intérêt des musulmans, il est plus important. L'intérêt des musulmans, il est plus important. L'intérêt des musulmans est plus important. Il est dit que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il faisait que dicter des lettres. Toute la journée, il dictait des lettres. À tout le monde. Il envoyait des conseils à tout le monde. Comme on vous a dit, il est aveugle. Donc, il dictait des lettres. Il entendait, par exemple, un grand groupe de commerçants saoudiens. Ils avaient des erreurs dans certaines choses. Il leur envoie un conseil. Des présidents, des dirigeants des pays musulmans, il leur envoie des lettres. Des imams, des savants, des gens qui divergent avec lui, des gens qui ont dit des innovations, des gens qui ont dit des choses contraires à la sunna, il envoie des lettres. Il envoyait des lettres et des lettres à la semaine, un nombre innombrable. Toutes les lettres, il les faisait lire. Toutes les lettres qui lui arrivaient, les gens, les assistants disaient, on était fatigués, tellement on lisait des lettres et on écrivait des lettres. Mais il ne voulait pas laisser une personne qu'il peut aider sans essayer de l'aider. Et il ne voulait pas laisser une personne qui a besoin d'un conseil sans lui donner le conseil. Ce conseil, il le donnait à tout le monde, que ce soit les présidents, les dirigeants, les directeurs des grandes entreprises, des banques, les journalistes, les imams, les savants. Il n'en a pas laissé un. Tout le monde recevait son courrier de Cheikh Ibn Baz. Mon frère, oh Allah, comme ça, tu as dit telle chose, tu as fait telle chose, peut-être que tu ne sais pas, mais Allah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà la vérité, et je te conseille de revenir à la vérité, etc., etc. Les gens disent, oui, mais les savants d'Arabie, ils ne conseillent pas les dirigeants, ils ne conseillent pas les rois, c'est des savants qui sont au service des rois. Je vais vous raconter une histoire qu'un de ses élèves a racontée. Cheikh Ibn Baz, quand il avait 33 ans, il enseignait au Ma'had à l'époque. Ma'had, ça équivaudrait à au lycée. Mais déjà, c'était un niveau à l'époque, dans les sciences islamiques. Il y avait un étudiant indien qui étudiait chez lui. Et une fois, après la mort du roi Abdelaziz Ben Saoud, le roi Abdelaziz qui a fait la troisième, qui a fondé, c'est-à-dire l'État saoudien, le dernier, le troisième État saoudien, lui a succédé son fils, Saoud. Cheikh Ibn Baz, il lui a envoyé un courrier. Il lui a dit, voilà, j'ai appris que tu voulais faire certains impôts ou bien prélever certaines taxes sur telle ou telle chose. Ça, c'est contradictoire à l'islam. Voilà les preuves du Coran et de la Sunna. Il lui a envoyé un courrier. 33 ans. Il a reçu un courrier. Dans ce courrier, il avait écrit, que tu sois maudit, espèce d'aveugle. Si on ne donnait pas ton argent chaque mois, tu ne donnerais pas de cours. Il a dit, Wallah, c'est fini, je ne prends plus mon salaire je prends plus mon salaire du ministère. Je ne le prends plus. J'enseigne, Allah, il va me donner. Il s'est fâché. Il a dit, je ne touche plus de l'argent qui vient du ministère. Et les gens, ils ont commencé à savoir, les commerçants, ils aimaient. Déjà à son âge, ils l'aimaient beaucoup, Cheikh Ibn Baz. Tous les commerçants se sont réunis, ils disent, nous, on va te donner ton salaire. Il a dit, alhamdulillah, j'ai ce qu'il me faut, j'ai pas besoin. C'est resté comme ça. Le roi Saoud était parti en voyage. Quand il revenait de voyage, en général, les savants, les ministres, ils l'accueillent. Tout le monde a été, Cheikh Ibn Baz n'a pas été. Il était fâché contre lui à cause de cette parole. Et c'est arrivé aux oreilles de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, le mufti. Alors, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, un jour, pendant qu'il donnait cours, ça c'est son élève qui raconte ça, celui qui était dans sa classe. Pendant qu'il donnait cours, la voiture du mufti est venue, lui a dit, ya Abdelaziz, Cheikh Abdelaziz, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il te demande. Il a dit, excusez-moi, le Cheikh Mohammed, il me demande, je pars. Il est parti et dit, Inch'Allah, j'en aurai pas pour longtemps. C'était pas loin. Les élèves sont restés dans la classe. Il est parti. Il est revenu pas très longtemps après. Il est arrivé. Les élèves lui ont demandé, pourquoi t'es-tu absenté, Yachir? Il leur a raconté toute l'histoire. Et il leur a dit,
Là, en fait, le moufti m'a fait appeler. Il m'a emmené au palais du roi. Le roi est sorti, il m'a embrassé la tête, il m'a demandé pardon et il m'a dit « Wallah, c'est pas moi qui ai écrit cette lettre. » Genre, je suis pas au courant de cette lettre, Wallah, c'est pas moi qui t'ai écrit cette lettre. Excuse-moi. Cheikh Ibn Baz a dit « Ok, si c'est pas toi, tu me jures par Allah que c'est pas toi, je te pardonne. » Et le roi, il a insisté, il dit « Wallah, il faut que tu reprennes le salaire qui vient de nous. Nous, ça c'est ton droit, etc. etc. » Et il lui a insisté, il a dit que c'était pas lui, il est revenu. Il a été rapporté aussi que quand les rois venaient le visiter chez lui, Cheikh Ibn Baz, jamais en public, et ça c'est le minhaj de tous les ulama de la sunna, jamais en public il critique le roi. Parce que ça pousse les gens à lui désobéir, ça pousse les gens à la révolte, ça pousse les gens au désordre. Et c'est contraire à la sunna. Ça c'est le chemin des khawarij, des gens qui poussent aux révolutions, le chemin des révolutionnaires. C'est pas le chemin des musulmans et des gens de la sunna de faire ça. Jamais Cheikh Ibn Baz, que ce soit même Cheikh Al-Uthaymin ou les grands savants de l'islam, même anciennement, même l'imam Ahmed ou d'autres savants même avant, ils critiquent le roi en public, au mimbar ou en public. Jamais. S'ils avaient une critique à faire au roi, ils allaient le faire comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il a dit, celui qui a quelque chose à critiquer à son dirigeant, qu'il aille le voir et qu'il le prenne par sa main et qu'il lui dise ce qu'il lui reproche. S'il accepte, alors tant mieux. S'il refuse, il aura fait son devoir. Et voilà comment étaient nos ulama. Les gens, un jour, ils ont critiqué Cheikh Al-Uthaymin. Ils lui ont dit, oh, vous critiquez jamais les rois et tout. Il dit, qui dit que nous, on ne les reprend pas? Mais on ne fait pas ça en public. Si on a quelque chose à leur dire, on leur dit tête à tête. On connaît des gens qui travaillaient chez Cheikh Ibn Baz, qui ont dit qu'il y avait des rois qui l'ont visité chez lui. Un jour, l'un d'eux est entré dans le bureau, ils ont entendu Cheikh Ibn Baz depuis le début jusqu'à la fin lui crier dessus comme on crie sur un enfant. Et il est ressorti, mais jamais en dehors ou dans la rue lui a montré le manque de respect. Pourquoi? Pour ne pas pousser les gens à manquer de respect aux dirigeants. Pour finir, sur Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, au niveau de sa science religieuse, il lui a été lu plus de 600 fois le livre Fathul Majid. Il le connaissait presque par cœur, dans le Tawhid. Il avait des fois autour de lui, comme ça, 11 élèves, chacun dans une science différente. Il lui lit un matn, un texte dans la langue arabe, un autre il lui lit un texte dans les hadiths, un autre il lui lit un texte dans l'héritage, un autre il lui lit un texte dans la aqida, un autre il lui lit un texte dans quoi que ce soit. Ils sont là, chacun lit une partie. Cheikh Ibn Baz, il est assis, les élèves disent, on croirait tout ce qu'il est en train de dormir, il ne nous écoute même pas. Chacun lit sa partie, l'autre il lit une partie, juste après l'autre il lit une partie, juste après l'autre il lit une partie, juste après l'autre il lit une partie. Il y a combien qui ont lu 10, 11 textes de matières différentes, l'un après l'autre. Des parties de textes. Après, d'un coup, ils se lèvent la tête. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ils commencent. Ils corrigent un par un. Toi, tout à l'heure, tu as lu, tu as mis une fatha ici, c'était une kasra. Toi, là-bas, c'est comme ça. Le hadith que tu as lu tout à l'heure, il est daif parce que tel. Ils les corrigeaient tous comme s'ils venaient tout juste de les entendre. Rahimahullah. Les gens, ils se fatiguaient avant lui dans les cours. Il s'asseyait pour expliquer les textes religieux. Il était assis, il enseignait des heures et des heures. Les gens, ils se fatiguaient, les élèves, ils se fatiguaient. Lui, il n'était pas fatigué. Encore, il donnait cours. Rahimahullah. Et malgré qu'il a pris des hautes responsabilités, il était le mufti du pays. Il avait été le directeur de l'université islamique. Il a été le président de l'assise du conseil de la fatwa de la Ligue islamique mondiale. Il était le président de la fatwa des grands savants d'Arabie. Tout ça, ça l'empêchait pas de continuer à donner cours. Malgré toutes ses responsabilités. Il donnait cours, il faisait des rappels, il voyageait, il ne s'arrêtait pas. Rahimahullah. Et d'ailleurs, tous
ses écrits témoignent, et ses cours témoignent de sa science. Rahimahullah. Et cette qualité qu'il avait, cette spécificité, c'était quelqu'un, rahimahullah, de très doux. Et qui aimait l'union de la communauté, mais dans la vérité, pas à tous les prix. Et qui cherchait à les unir dans le bien. Et qui trouvait toujours, qui cherchait des excuses aux gens qui le contredisaient. Et qui mettait en garde contre l'innovation et contre les choses interdites. Et qui appelait aux gens, les gens au bien. Et qui déconseillait les gens du blâmable. Rahimahullah ta'ala. D'ailleurs, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a parlé dans son sahih, dans un chapitre, où Allah ta'ala, quand Allah ta'ala dit « Walakin kunu rabbaniyin » Soyez des savants rabbani. Rabbani, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire rabbani. Il a dit ce sont ceux qui enseignent d'abord, le savant rabbani est celui qui éduque les gens en commençant par les bases de la connaissance avant d'aborder les choses plus complexes. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a écrit cet épître. Leçon importante à l'ensemble de la communauté. C'est des bases. Des choses que tout musulman doit savoir. Et c'est de là qu'on reconnaît sa science. Car il a su résumer les choses importantes. Et dans d'autres textes, et dans d'autres écrits, et dans d'autres cours, il peut les étaler et les détailler pour ceux qui ont plus de science et qui sont plus avancés que cela. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما